besoin l'amour, yo bon nous malais. Nous besoin la paix, yo bon nous la guerre. Nous besoin travail, yo bien nous mandé. Nous besoin avancer, yo mettre chaîne en pied. Nous besoin respect, yo pas bon pour nous. Nous besoin parler, yo bon pied sur cool. Nous voulons liberté, yo bon religion. Nous voulons être ensemble, yo c'est division. Combien de simons qui vous perdent, en partie blanc pour les dangers. Combien haïtiens qui vous mourir, avant d'exciter les bébés. Combien de sirènes, combien morts, avant chef tous les serviteurs. Combien de victimes, à combien corps, avant nous les laisser casser. Combien de six anges qui vous périr, avant nous comprendre force la vie. Combien crier, combien tant pis, enfin pour misère nous finir. Combien violence avec sa famille, enfin cabas à tout mal fini. Combien chanter, combien poésie, enfin nous l'aimer Haïti. Nous besoin santé, y'a pas nous choléra. Nous besoin manger, y'a pas nous fatra. Nous voulons habiller, y'a pas nous bébé. Nous besoin lever, y'a mettre la terre. Nous voulons m'accorder, y'a pas ouais pour ça. Besoin ouais des mains, y'a tout y'a l'espoir. Nous besoin amis, y'a fait nous l'ennemi. Nous besoin grandir, y'a voulait nous périr. Combien de monde qui vous perdit, enfin de l'eau pour les manger. Combien haïtiens pour mourir, enfin de fidèles et de bien. Combien de tirés d'une combien mort, enfin chef tous les serviteurs. Combien de victimes à combien de corps, enfin nous rêver, c'est assez. Combien de tisages qui vous perdit, enfin nous comprenons force la vie. Combien crier, combien t'en prie, enfin pour une misère nous finir. Combien violence avec sa famille, enfin une camarade mal finie. Combien chanter, combien poésie, enfin nous aimer Haïti. Enfin nous aimer Haïti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à la radio Toxic FM, le 91.3 en FM stéréo. Très heureux d'être là cet après-midi à l'émission Le Grand Univers sur les ondes de Toxic FM. Moi et Maître Benson avons le plaisir de retrouver le public de Toxic FM, un public large, mais aussi et surtout toute l'équipe de cette station de radio. Et pour cette première présentation, moi et Maître Benson, nous sommes bel et bien présents au studio de Toxic FM. Bonsoir Maître Benson, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonsoir à tous les internautes. Bonsoir à toutes et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi sur la belle station, le 91.13 Radio Toxic FM à Port-de-Paix. Voilà, Le Grand Univers, c'est une émission hebdomadaire à caractère socio-éducatif, comme vient d'annoncer à peine Maître Oscar, qui se passe généralement tous les dimanches de 4h à 6h PM. C'est votre ami Benson Gentil. Je me suis accompagné de Maître Steven Oscar. Donc, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour le PDG de cette belle radio. Ah ouais. Je crois que si cet après-midi nous sommes là, c'est grâce à cette belle vision, cette grande vision. Je crois que c'était depuis vers les années 2012, si je me rappelle bien, que cette station de radio donc est en ordre.
Je salue également l'autre qui a prôné cette belle vision, à savoir un changement de paradigme. Et c'est bien l'agronome Charité, lui, probablement il est à l'écoute, ça c'est sûr. Vous savez, de là où nous sommes, notre perspective, notre vision même des choses a changé de cible. C'est pas une question ici de paradigme, un changement de paradigme. Ici, nous voulons voir autrement les choses. Mais avant tout, c'est une question de perspective, d'accord? Donc, à notre mission, le grand univers, nous voyons autrement les choses là, d'accord? Salutations aussi à tous les étudiants et étudiantes de l'Université d'État d'Haïti. Bon, en tant qu'ancien produit, vous savez, l'Université aussi Valparaiso, j'en ai pas mal d'amis qui nous écoutent et je dois avoir une pensée aussi toute particulière pour le docteur Aubryan. En fait, hier au soir, il a vu, tu vois, le fleuret et par après, il me disait, ah bon, Benson, de toute façon, de là où je suis au Canada, je devrais un jour faire une intervention. Je lui ai dit, aucun problème, d'ailleurs, la belle radio, Toxic FM, c'est pas comme les autres. Au fait, on est en ligne, tu vois, grâce à la technologie, à la magie, j'aurais dû dire, de la technologie, nous sommes bel et bien en ligne pour ce grand show-là. Donc, je salue également mes amis de l'UPNOP, ils sont tellement nombreux, et par après, bon, je ne voudrais pas qu'on me reproche en ce sens-là, mes élèves, les commerçants, il y a Mounsayo qui a rendu au fait à la société haïtienne un très grand service d'ailleurs. Les chauffeurs de taxi, bon, si seulement je me suis arrivé ici, bon, c'est grâce à Mounsayo. Donc, salutations spéciales à tout chauffeur de taxi dans la ville, là, dans le département, voire à travers le pays. Je salue aussi Maître Fresnel Jean, dit Joujou, qui nous écoute non loin de cette belle station, assurément. Il est tout près de nous. Je salue aussi tous les altériportés qui nous écoutent en ce moment, et notamment Maître Héra, lui, depuis Genève, en Suisse. C'est Maître Héra, Radio Ali en ligne. Kotoéa, grâce à la magie de la technologie, vous n'aurez aucun problème de nous écouter, tu vois. Parfaitement bien, et quand on aura à recevoir cette belle tête, quelqu'un qui est passé de présentation à travers la ville de Port-de-Paix, tu vois, comme étant ancien directeur de départemental de l'éducation, et maintenant c'est quelqu'un qui a un doctorat en main, il a un doctorat en main, et chaque jour, il y a un article. Quelqu'un qui a la matière grise. Certainement. Chaque jour, les bons articles peuvent le faire sortir, soit café, quelque chose comme ça. Café civique ou encore civique tout simplement. C'est café civique. Et je crois. Mais je crois que dans un futur proche, on aura à recevoir ici cette belle figure, d'accord, à l'émission. Donc, nous venons de prôner ici une autre perspective à notre émission, le grand univers. Maintenant, il nous faut partir. Bon, je crois qu'on devrait observer une pause musicale. Notre émetteur en ondes. Bon, je crois que j'apprécie le style. À chacun son style, à chacun sa manière de faire. Mais avant tout, laisse-moi vous dire, en tant que sociologue, en tant qu'éducateur, philosophe, économiste, donc aucun préjugé, tu vois, aucun jugement de valeur. Tout simplement, on apprécie la capacité de l'autre. Et voilà. Et son travail est impeccable. En ce sens, nous sommes en ligne. Je crois que c'est par rapport, tu vois, à son savoir-faire, de là où nous sommes. Ça va. On observe la première pause à l'émission de cet après-midi. Restez-y, mesdames et messieurs. Oui, avant d'être fidèle de pied, combien t'y est-il combien mort? On va chef tous les serviteurs, combien victimes à combien corps? On va nous rêver, c'est assez. Combien de tissages qui peut périr? On va nous comprendre force la vie. Combien crier, combien t'en prie? On va pour une misère nous finir. Combien de violences à s'en fournir? On va une cabane mal finie. Combien chanter,
Enfin, vous m'aimez Haïti. Enfin, vous m'aimez Haïti. De retour après la pause, salutations et à tout et à public, Radio Toxique FM. Et tu le sais bien, Maître Benson, j'ai un très long passé médiatique ici dans la ville, à la ville de Port-de-Paix. Et j'ai été donc dans pas mal de radios ici à Port-de-Paix. Donc je ne savais même pas si je devais ici un jour. Bon, donc je ne pensais pas à ça. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier notre PDG, Monsieur Alexandre Toto, certainement qui est à l'écoute. On va faire le tour du département Maître Benson, et du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour nous saluer tous tes amis fidèles, auditeurs et auditrices, Radio Sa fidèle, infatigable, qui a écouté nous sous 91.3, mais aussi et surtout via Andy. Facebook qui au même live qui gagne occasion pour que au même yo gade. Nous prenons quelque chose d'autre, Maître Benson. Ouais. Notre philosophie à nous, c'est une autre perspective. Une perspective, c'est-à-dire une autre manière de voir les choses. Ouais. Parce que le pays en a besoin. L'autre perspective dont nous sommes en train de parler cet après-midi, donc je sais tout même que le pays en a besoin, parce que façon nous ouais que bagay a fait là, nous pensons que franchement et sincèrement faut nous clair que bagay au même yo pas arrêté comme ça. Nous face à des situations de crise, je dirais, et partout que on a passé dans le pays a nous ouais ces crises, on dirait que nous même nous gagnons société. Une société meurtrie. Ben, je crois en ce sens, c'est oui. Et si je me permets, en fait, d'avancer quelque chose sur cette histoire ou encore ce concept, à savoir crise que traverse présentement la société haïtienne, donc, moi, capable de finir par dire que cette crise en soi, elle est plus réelle. D'accord? Et la crise en soi, elle est une crise, c'est une crise de valeur, tu vois. Donc la crise haïtienne aussi, bon, je ne voudrais pas anticiper tout de même, bon, c'est une crise aussi d'identité, d'accord. Si société en soi, l'arrivé côté lié là, c'est parce que tout simplement, t'es bon, laissez faire, d'accord. Donc côté que intervention était supposée faite au moment où on devrait apporter un certain nombre de remèdes, cela n'a pas été fait. Et puis, nous y voilà. Crise d'identité, crise de valeur, tu vois. Au fait, c'est pluriel, comme oui, je viens de dire. Oui, oui, c'est pluriel. Mais on essaie de dire véritablement la question, l'audi, et valeur, là. Moi-même, je pensais que ça que nous-mêmes n'avons pas assisté journée jeudi à là, il fait face véritablement à une absence de valeur qui est identique, l'homme dit identique, donc nous sommes nous-mêmes en soi. Laisser aller qui gagnait véritablement dans la société, moi-même, maintenant, de tête, moi, est-ce que véritablement, il n'est pas allé dans plus bas niveau pour nous ta questionner même famille. L'un comprendre c'est dans famille que transmission de valeurs premières yo même yo bail certainement, et que ti moun yo même yo gen besoin en dit de valeurs sa yo, donc qui pourrait permettre que yo coiffé yo dans société a. Mais absence de valeurs sa yo, donc beaucoup même pas toucher le problème de l'école en soi. Nos écoles. Ouais. Donc la famille en tant que telle comme une institution, on t'a dit comme première institution, donc il y a part de responsabilité donc dans tout ça qui a privé là. En ce sens, je crois que oui,
en tant que statut social, ce que le professeur Calix, dans son ouvrage « Éléments de sociologie », il finit par définir ce triangle-là qui est composé de père et de mère, enfant, tu vois. Donc, aussi longtemps que la famille en soi ne fait pas son travail, donc, pour gagner des répercussions, tu vois, directes sur la société dans son ensemble. Il est vrai que il y a des études, je vous dis, qui finissent par montrer que donc, la famille en tant qu'institution, tu vois, elle a failli à sa mission. Mais par contre, ces familles-là, je vous souhaite finir par annoncer qu'ils baillent l'école-là, d'accord? Donc, pour du haut, ils sont dans la famille. Donc, si seulement la famille en soi ne fait pas son travail, c'est possible que produit au pral mettez de yo sur le marché, peu importe sur le marché scolaire ou encore sur le marché social. Donc, on va trouver des personnes qui ne sont pas au rendez-vous. Donc, je dis à c'est qui attention que une mère ou un père t'a supposé bail à son enfant. Et je me rappelle, il y a probablement 2 jours de cela, je me suis rencontré, au fait, un ado, tu vois, un adolescent. Un adolescent, bon, techniquement parlant, c'est encore mieux. Bon, son petit monde qui est supposé gagner 12 à 14 ans, tu vois. Mais par rapport, tu vois, à son regard, par rapport à son comportement, avec le reste du, au fait, avec le groupe en question, le groupe. Donc, je finis par rendre compte que c'est quelqu'un en soi qui pas recevoir une bonne éducation familiale. Et son comportement, quand il devrait saluer, il n'est pas pensé à faire ça. Donc, ce que le sociologue Max Weber a fini par appeler action sociale, le fait de dire bonjour ou bonsoir, ça, c'est une action sociale. Donc, l'autre qui arrive dans un groupe, il n'a pas même pensé de dire bonsoir ou bonjour, tu vois, au moins tendre la main à quelqu'un. Bah, même dit au moins, peut-être qu'il te cap dit bon, bon, un bisou, encore, bon, la main à quelqu'un. Donc, ces genres de choses, en tant que valeur, ils ont véhiculé notamment, tu vois, à travers la famille. Donc, en tant que mère ou père, et que, ou pas, j'aime chita, un seul jour, pendant nous y est sous table là, avec petit tout, vous dites, bon, regarde, quand vous n'êtes pas à la maison, en voyant ou encore en rencontrant quelqu'un sur la route, en arrivant à l'école, vous voyez le préfet de discipline ou encore vous voyez un maître avant vous devant la salle de classe, il ne faut jamais oublier de saluer, tu vois. Donc, ça y est, en tant que élément de socialisation, tu vois, faut prendre le bon soin pour partager ou à Timoun. Mais sinon, l'enfant en soi va le finir par comporter autrement, tu vois, par rapport à attente de la société. Tant coup un type comme Émile Durkheim, en tant que sociologue, il va le finir par parler de les faits sociaux. Vous êtes là, les faits sociaux, ce sont des choses qui sont finies par extérieures à l'individu en question. Donc, ce sont des choses généralement, ou si vous préférez, tout naturellement, que la société en soi, elle finit par imposer à l'individu. Peut-être que là, bam zil autrement, à mounan, tu vois, en dans société. Bon, je dis à donc, vous essayez de parler dans l'aspect même et du sujet, donc aspect sociologique même. Ouais. Même voulez aller un petit genre beaucoup plus bas pour nous dire on donne ce qu'on a. Donc, l'éclair ou pas fait acquisition de savoir ouais. Ou des valeurs, ouais. Ou pas qu'à transmettre. Donc, je dirais même l'éducation, donc étant que éducateur que nous-mêmes nous y ouais. Donc, ou pas posséder, ou pas faire acquisition de savoir que nous-mêmes n'avons pas l'air, ou pas qu'à transmettre. Et d'autant plus clair, moi-même, je vais dire aux auditeurs que c'est absence de l'État, bien entendu. Donc, pas de gagner, je dirais, l'État qui
qui planifier on dit avenir moun yo dans société a avenir famille yo dans société a parce que quelques sociétés qui beaucoup plus avancées beaucoup plus avisées aussi n'a pas même question de fait si moun donc c'est un bagage comme si qui planifié ouais voilà parce que quelque part c'est pas fait si moun non et que si moun nan li même j'ai même dit al grandi donc grands oreilles bam dit li comme ça mais c'est fait si moun nan planifié avenir si moun nan planifié dans toute facette dans tout aspect et pour si moun nan donc on pense que c'est ça qui est important qui ta ka bon éviter à ce que nous même t'a dit nous que valeur ça au même yo sans nul doute après entrer à péricliter il a perdu n'a perdu n'a tourné en rond donc chaque jour nous pas carré véritablement jusque là qui côté que nous même nous mettre besoin et ben là maître sera par rapport à ce point là que on finit par avancer donc ça fait me penser directement à certaines théories ou encore certaines approches du point de vue sociologique rentrer même dans la culture haïtienne comment depuis fort longtemps que tu vois l'espèce haïtienne, notamment la famille haïtienne, les finit par concevoir, tu vois, fête Simone. Pendant bien longtemps, ils ont fini par nourrir cette forme de conception. Ils ont fini par dire qui ça, Simone, c'est bien malheureux. Voilà. Donc, parents, pendant fort longtemps, ils étaient contentés, ils ont fête Simone, d'accord, fête Simone, pour aider eux demain. Donc, première intervention, ou bien premier souci que parents ont eu, c'est pas ouais un petit monde qui pourra bien éduquer, tu vois, bien éduquer l'enfant, aller, bon, à cette époque, pas de bien ça, nous, les kinder là, kindergarten, pas de bien ça, t'es bon, histoire de préscolaire, fait primaire, fait secondaire, bon, pas même penser à l'étude universitaire. Donc, fait si moun nan, le ouvin pas en mesure pour travailler, pour aller au marché, pas en mesure pour vendre à la maison, tu vois, pas en mesure pour laver, pour repasser. Donc, si moun sa, demain, li capable aider yo. D'accord? C'était sa conception. Les que yo pas en mesure pour préparer de la nourriture encore pour faire manger. Les yo pas en mesure pour d'ailleurs qu'on est du point de vue social, l'état en soi pas gagner ça que nous relais dans les autres pays, bon assistance sociale, tu vois, les que parents arrivent la personne en soi, il arrive non l'âge que il pas qu'à travailler encore, il pourra recevoir bénéficier une pension, pas gain ça la caille nous. Donc pension directe là, c'était timoun yo, d'accord? Donc maman, papa, li contenté, li fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 timoun. Donc, pour demain, les li en nécessité, trouver dans le besoin, dans la nécessité, et que ses enfants puissent venir, donc, à besoin yo. Donc, ici, nous finis par prôner une autre perspective, d'accord? Une autre perspective. Donc, vini avec un enfant au monde, oui, mais comment prendre soin de cet enfant, ça, tu vois, c'est quelque chose d'autre. Donc, par rapport à siècle que nous y est là, tu vois, par rapport, nous sommes en 2024, 21e siècle, en quelque sorte, bon, là, si nous avons besoin d'une autre attention, d'accord, une autre attention. Si jamais, en tant que parent, ou négliger cette forme d'attention, cette forme d'éducation familiale que vous devrez donner, tu vois, à l'enfant, il est capable de sortir comme étant un danger du point de vue social. Donc, même si Mounsa, au lieu que l'aider société à, on va le rendre compte que il est capable de rentrer au rang de ce qu'on appelle des gangs, tu vois. Donc, c'est pas au bonheur de la société. Oui, et moi-même d'abord dit que gagné Déclaration universelle de droits de l'homme et du citoyen, ouais. Qui lui-même était édité le 10 décembre 1948, lui bail une attention très soutenue
sous sa ou le Timouna, donc qui montre que Timouna lui-même il y a un droit, Timouna lui-même tout comme il y a un droit. Face à ça que nous-mêmes nous avons exposé pour les amis auditeurs, nous devons être aujourd'hui à plus ou moins un aspect familial et contexte nous aujourd'hui à pour que nous-mêmes nous gardions famille. Essayez de mettre famille à cœur dans la crise actuelle que Haïti lui-même l'a fait face là. Certainement. Dans la crise actuelle que le département nord-ouest là, lui-même l'a fait face là. Parce que nous pas qu'à passer outre pour entrer dans l'autre bagaille sans que nous-mêmes nous va aller directement dans la famille. Et je pense que jodi a donc nous a regardé Jean-Mette Benson lui-même l'étape Zili et un aspect de valeur et éducative qui manquait, donc transmission de valeur ça yo, et c'est pas tout petit monde véritablement que nous-mêmes nous joignent qui gagne yo. Donc surtout on dit Timoun Sayo, nous avons tous les côtés que nous-mêmes nous capables de rencontrer. Prenons par exemple, et y en a dans Koufré Luxon qui, pour ainsi dire, bon, fait personnalité, excusez-moi, qui gagne, m'a dit, et très longtemps, il gagne une fondation qui, m'a dit, et son foyer, qui a pu recevoir Timoun qui, m'a dit, les plus démunis. Mais Timoun Sayo, véritablement, qui sont-ils? Ti moun sa yo, kote yo soti? Donc, je dirais que yo soti dans yo famille quand même. Ben oui. Mais comment yo fait arriver là tout? Donc, c'est une question. Bon, là encore, pour résoudre le problème, non, par rapport, c'est comme si c'est quelqu'un qui tape travail sur ce grand projet et qui finit par anticiper quel serait le danger de demain, tu vois. Lors qu'il était Timoun Sao, tu as supposé sur les bancs de l'école, tu vois, et que yo pral trouvé yo à travers les rues avec quelque chose en main pour essuyer soit des voitures, motocyclettes. Et par après ou qu'a bayo quelque chose en retour, le peu qu'il soit, en termes de monnaie. Mais par contre, dans un futur proche, si moun sa par rapport à développement du point de vue physique, psychique, tu vois, et même psychologique, il peut aller gagner l'autre besoin. Donc, bali 25 goud, 50 goud, ça pas pral ka répondre li pas aider le répondre à ses besoins, tu vois, dans 10, dans 15 ans, tu vois, dans 20 ans plus tard. Les que si moun sa pral gen petit, li pral gen madame là, li pral gen le loyer pour le payer, il est fort probable que il pral obligé dire bon 25 goud, 50 goud, 100 goud. Ces sommes-là ne peuvent pas répondre via mes besoins au coût de la vie. Ils vont l'obliger, font gens rentrer dans quelque chose d'autre. Moi, c'est par rapport à travail que type ça que au finit par citer. Moi, c'est aucun problème de lui faire ce cadeau à notre mission en ce sens, Frère Lixon. Ce devrait être le travail de l'État. Tu vois? Le travail de l'État suivant une vision télescopique pour anticiper Timoun Sayo dans un futur proche, un avenir proche, pour dire voilà qui ça va devenir demain. Monsieur finit par faire travail ça pour l'État. Là, il va falloir qu'on salue, tu vois, donc cette belle figure par rapport à service qu'il rend à la société. Pendant que famille qui t'a supposé faire travail ça, yo pas gain assez de moyens pour éduquer, pour prendre soin de ti moun yo, même pour ba yo manger, pour nourrir yo, et que ou pral fini pas trouver à Port de Paix, il y en avait aussi des centres comme ça. Il fut un temps, si je me rappelle bien, l'information dont je dispose, tu vois, il fut un temps. Peut-être que présentement, mon yo vin penser à faire autre chose, mais c'est bagay que l'État fait suivant ça que nous t'appelons un État par providence, tu
tu vois, si je me permets, qui t'a supposé finir par anticiper ces genres de choses et pour dire bon, si nous quittons Timoun Zao, là, grandit comme ça, voilà qui ça s'accabaille, tu vois, comme résultat demain, positif ou négatif. Mais l'on pas prend yo dans la façon qu'on t'a supposé prendre en termes de prise en charge savante, il est capable de sortir comme étant un danger pour la nation entière. Bien sûr, M. Benson, parce que ces dangers sociaux là, c'est ça qui fait que même te poser question, hein, pour nous faire des bas de bouche, pour nous essayer d'éclairer l'antenne et public là, pour nous dire voilà, donc véritable anticipe. Anzi nous-mêmes nous capables ouais dans tout ça. Prise en charge là nous voyons que l'État va faire pas gagner des particuliers dans la société civile là qui fait li. Donc autre que et figure ça que nous-mêmes nous cité tout à l'heure là. Et moi-même clair. Moi le clair pour me dire que ça cap passer là n'est pas qu'on a éradiqué. Donc, en fonction de toute avancée que nous souhaitons mettre bien soin de même y faire. Parce que, y a un État comme si qui parle un État visionnaire, donc y a un État qui parle un État qui planifie à venir monde dans la société. Ya. Donc, si y a absence de l'État, moi-même clair que si pas gagner et monde dans la société civile là qui veut bailler des contributions, bon garantie donc société panouan son société qui pas pour société sans faille société une société de oui rupture son société vraisemblablement qui a manqué un paquet bagaille. Voilà donc en gros mesdames et messieurs nous essayons à poser tête nos questions donc pour qui raison qui fait que nous mêmes nous regarder nous en fin de cause donc rivé dans l'état de situation actuelle là donc c'est un problème de société. Donc, problème de société, nous avons essayé de garder vraisemblablement dans la famille, donc qui pour ainsi dire, il y a un aspect familial là-dedans, et nous avons dit tout carrément, nous n'avons pas qu'à passer pour deux familles. Pas seulement la famille, Maître Benson, donc ouais. L'école. Nous allons questionner encore le monde qui a coûté nous. Parce que je dis à moi-même, clair, Maître Benson, faut-il bien que l'éveil conscience dans lui-même lui fait. Et en garder capacité d'accueil l'école et public qui gagne en garder de manière structurelle puisque bon on pas même besoin dit et structurelle parce que nous pas jamais gagner dans pays a on dit des approches structurelles oui nous tout simplement rester pur et simplement nos aspects conjoncturels bref donc ça c'est pour l'autre émission que lui-même lié mais en garder j'aime te dire tout à l'heure aspect structurel donc l'état en soi ouais. Donc capacité d'accueil gagné pour nos écoles publiques nous gagnons des foyers de timoun ouais. Qui sans abri des foyers de timoun qui abdomi à la belle étoile des foyers de timoun qui installés partout et ailleurs et que l'état n'a pas dit quoi que ce soit. Ben là, je pense qu'on finit par rentrer bon, sur notre terrain. Moi-même, en tant qu'éducateur et quelqu'un qui a eu la chance de sortir avec une licence en philosophie lettres. Donc, je pense que toute théorie confondue par rapport à ça que nous vivons présentement dans notre milieu, au niveau même du système éducatif haïtien. Donc, l'État n'est pas au rendez-vous, d'accord? L'État n'est pas au rendez-vous. Et tant que Philippe Mérieux est capable de poser cette interrogation, tu vois, enseigner, oui, mais comment? Voilà, d'accord? Enseigner, oui, voilà, mais tout ça. Mais comment? D'accord? Mais comment? Donc, je me permets de faire une étude comparative. Un pays, bon, peu importe, c'est l'éducation qui a une portée tout naturellement universelle. D'accord? Parce que je vous dis à ça qu'a prôné ces citoyens du monde, tu vois. Et les que recevoir ici une formation,
ou pas supposé gain aucun problème pour faire face à n'importe quel autre, tu vois. Donc, sujet en question, pour discuter à n'importe quel autre citoyen à travers le monde, étant donné que vous étiez à l'école comme l'autre, vous étiez à l'université aussi comme l'autre, d'accord? Peut-être que cela pourrait faire un autre débat par rapport à nos diplômes à l'échelle internationale que certains pays ont fini par remettre en question. Nous y reviendrons probablement dans une autre émission là-dessus. Donc, les que ou gagné la caïnou yon l'État qui pas prend éducation, tu vois, comme étant une chose première. Vous savez, cette citation, cette pensée, tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Tant vaut la nation. Mm-hmm. Tu vois? Et il y a Danton, Jacques-Georges Danton disait ceci aussi. Il finit par dire, après le pain, tu vois, va venir l'enseignement ou encore l'instruction. Inévitablement, inéluctablement, sans cela, ou pas gagner une bonne société. D'accord? Ou pas gagner une bonne société. Et c'est un fait normal pour joindre le monde. D'ailleurs, dans différentes boîtes, l'État, donc, ce sont des citoyens, ou pas le finir par dire, qui pas vraiment gagné un sentiment patriotique. Et c'est de monde tout, peut-être là encore, par rapport à mode d'éducation, mode de formation que vous finit par recevoir sur les bancs de l'école, ou pral jeune de moun tout qui pas gagne assez de caractère. D'accord? Assez de caractère. Donc, assez de caractère, permettez-moi de mettre Oscar pour peut-être pour faire auditoire. Et Radio Toxique FM dans cette confidence, j'étais en train de discuter à un ami canadien. Il me disait, Benson, vous savez, les dirigeants haïtiens, quand ils discutent avec l'extérieur, le Canada, la France et les États-Unis, et c'est le monde qui ne représente pas valablement, tu vois, la nation haïtienne. D'ailleurs, du point de vue diplomatique, c'est comme si on montre que c'est pas le monde qui recevoir une bonne éducation. Il y a manqué caractère, les on en discussion, yo. C'est pas moun vraiment cap sorti avec ça yo supposé sorti pour la nation. D'ailleurs, diplomatie, c'est le jeu qui perd gagne. Donc c'est des moun comme si l'autre diplomate capable sorti presque à 100%. Donc même si yo même yo pas sorti avec absolument rien, ça pas veut dire rien pour yo. Mais qu'il y a en rentré dans mode d'éducation au fait façon que l'État haïtien il concevoir système éducatif pas noir. Donc c'est comme si on t'a cap rentrer avec l'auditoire dans un cours de histoire de l'éducation en Haïti. Vous savez, le problème ça en soi, il est pas daté de aujourd'hui. D'accord, ça que nous avons confronté aujourd'hui, qui s'allier, les bailleurs ont un problème de carence. Nous manquer l'école vraiment qui est supposé au rendez-vous. Les que ou gain des établissements scolaires, je vous dis à on l'école, bon, je ne voudrais pas être provocateur, directeur d'école, directrice d'école cap tendez nous cet après-midi, les ou gagner sans Jésus, un instant. L'orgueil 40 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200 apprenants dans une salle de classe. Vous savez, ou caprélil, autrement, mais surtout pas, tu vois, une salle de classe ou encore une classe scolaire. Là, comment sociologue de l'éducation, quelqu'un comme Pierre Bourdieu, quelqu'un comme Mohamed Chikawi, lui-même qui a fini par définir une salle de classe comme étant une micro-société. Donc, micro du grec, ça signifie petit. Il y a le latin maintenant qu'on va trouver comme socius, qui a le sens de société. Voilà comment il présente ça. C'est une petite société, une salle de classe.
qui cap bien là dans seulement 20-25 élèves. Vous voyez, autrefois, Métira me disait ceci, vous savez, Benson. Bon, j'ai été à Prodépin en tant qu'ancien directeur départemental. Je connais parfaitement bien la réalité de notre pays en ce sens. L'école haïtienne, dont je maîtrise parfaitement bien, j'ai maîtrisé parfaitement bien cette structure en soi. Par contre, les m'arriver là-bas, c'est comme si je me suis arrivé, comme on apprenait le grand univers, dans un autre univers. On ne fait pas comme ça les choses. Parfois, on peut trouver trois apprenants, des élèves dans une salle de classe. Alors, donc, là, pour montrer que on a fini par constater qu'il y a un problème chez tel apprenant ou apprenante, il va falloir qu'on apporte un certain remède. Donc, il faut faire des classements. Il faut retirer le groupe 25 ans, le groupe 20 ans. Pour Albali, tu vois, par rapport à ça que vous finissez par rencontrer la Kaili en termes de lacunes, de faiblesses, il faut une autre prise en charge de manière séparée avec le reste du groupe. Donc, ce n'est pas de bagaille vraisemblablement nous joindre la Kaili, nous, en Haïti. Donc, vous mettez tout Simounio ensemble. Eh, ça n'a pas vivre dans l'école publique, j'en finis par retracer les à peine. Je serai en tant que professionnel de l'enseignement avec 50, 100, 70, ou pas qu'à faire travail là. Du point de vue pédagogique, l'orgueil est une intervention à faire qui pral finit par durer probablement 45 minutes. Parce que n'importe pédagogue, n'importe enseignant, professeur, capteur de mla, un cours, généralement, l'on a une temps, on a pour faire 45 minutes. L'on a 50 élèves dans la salle de classe. Ou pas qu'à accorder une minute par élève. Tu vois? Donc là, sous un ensemble de problèmes qu'on finit par constater au niveau du groupe, donc le temps que vous en avez comme professionnel pour intervenir en salle de classe là, même sous table accorder une minute à chaque élève pour pas bien temps pour faire travail ça. Mais par contre, ça ne finit pas constater nous ouais, que ça problème ça yo pas vle dit absolument rien pour les dirigeants étatiques, les autorités étatiques de notre pays. Pour qui ça? Parce que en pile là-dedans yo prend petit yo voyé yo aller étudier au Canada. Yo voyez yo à l'étudier en France, aux États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, le Canada en soi, ou pas privé dans une salle de classe pour un nombre d'enfants à 50, 100, 70 dans une même salle de classe. Parce que là, travail là, pas fait. Ou te cap dit, à un moment donné où la famille en soi, elle a failli à sa mission, donc l'école là, t'es capable de prendre, tu vois, le relais. Tel aujourd'hui n'est pas le cas. Bon, et bah moi j'ai en fait yon ti avancé maître Benson ou ka remarqué moi-même ri par rapport avec ça que vous-même dit. Donc c'est pas une simple chose les que nous-même nous t'ai dit auditoire là que nous-même n'a pas essayé garder famille haïtienne yo nous pour le point plus tard. Donc belle râler que maître Benson lui-même lui elle a fait là ensemble avec l'école là. On a point deux premières institutions ça seulement et son problème majeur que lui-même lié M. Benson. Vous voyons que le milieu scolaire est boiteux. Donc déjà que nous-mêmes nous a payé et gardé l'IA, c'est parce que en clair gagner un travail depuis à la base qui pas fait. Tout à fait. Prise en charge l'état yo même dans question famille elle n'est pas faite. Ouais, nous font tout en bas. Nous pas remonter encore. Ouais. Mais je voulais rester dans aspect sociologique bagaille là ça lié pour moi-même à inculquer la caille auditeur radio toxique on dit donc tu formes ça. Pour élève qui est dans troisième cycle fondamental yo, bon surtout élève 9e yo, moi crois que professeur sciences sociales, vous commencez à étudier ensemble avec vous, Sam Darelli, IDH, qui c'est indicateur de développement humain. Ouais.
qui pour ainsi dire, il y a trois critères de développement. C'est sous base ça yo que grand pays yo yo même priorité pour dire voici dans qui étape que chaque pays a progressé. Si nous prenons par exemple et on dit indice démographique là. Donc indice démographique là pour Haïti, son bagage catastrophique. Ouais. Pour même ça que nous-mêmes nous t'arrêlons. Alors, en termes de territoire, bien entendu, on dit que c'est un bagage catastrophique pour Haïti. Là, nous-mêmes, nous pouvons le faire densité par habitant. Certainement. Parce que nous gagnons un pays qui gagne une superficie de 27 750 km². Élève 9e, nous pouvons le garder. Donc, en fonction du nombre d'habitants, qui sous espace ouais m'pas même al di diaspora ouais m'pas même al di diaspora. Donc pour nous regarder on dit donc en termes de densité, donc qui ça veut dire, et il est clair que les nous regarder non dans facette écologique bagaille là, Haïti lui-même il peut construire, bien entendu Haïti peut construire. Bon, ça c'est pour l'autre, on dit une autre émission. Nous déprenons tout à l'heure là, donc on dit aspect et démographique bagay là. On allait dans aspect social. Non, c'est corruption. Mais là encore, mais tout ça, n'importe l'État sérieux, yo connaît aspect démographique là, c'est pas un point que ou capable négliger. C'est ça. Et permettre moi pour faire un flashback pour auditoire là. Regardez bien, on garde en de famille. Du point de vue sociologique, en famille de 4, 5, 7, 8 enfants, l'effort est difficile pour le fonctionner bien, pour le marcher bien. Même si marcher bien, c'est qui attention que maman, papa, pour le finir, papa, à Timounio. Ou bien, pas même bien pris en charge. Eh bien voilà, ou bien pour le travail. Vous comprenez, ou bien pour le travail, de toute évidence, il faut le travail pour nourrir Timounio. Mais l'on a 4, 5, 6, 7, 8. Waouh. Et ça devrait être aussi une politique étatique contrôlée, du point de vue démographique, tu vois. En fait, taux de natalité, tu vois. Ce qui n'est pas fait de là où nous sommes. D'accord? Écoutez, Maître Benson, tu viens de le dire, le taux de natalité. Le taux de natalité, à Napaléa, c'est un bagage comme si qui fait non claquement. Si moun fait. Pendant Napaléa, il y a plusieurs hôpitaux qui gagnent dans le pays à Timoun a fait. Alors que le taux de mortalité, lui-même, il réduit par rapport avec taux de natalité. Tout, c'est prise en charge de l'État. Faut que l'État lui-même n'est pas absent à ce niveau. L'État pas comme si nous avons l'État qui pas des yeux fixés, des yeux braqués sous ça. Ouais, comme parce si... que je dis à nous en 2024, certes, bientôt nous parlons en 2025. Quantité de monde, bon, comme recensement, il y a toujours des choses qui sont correctes dans la façon que vous même fait en Haïti. Mais si l'État, c'est si l'État côté que qui, et pour ainsi dire, t'as essayé de gérer la population, donc nous t'as pas dit, donc si en 2024, nous avons 11 millions d'habitants, ouais. En 2025, donc, instant, chiffre l'a augmenté. Alors, si je me permets, je crois qu'on nous a menti froidement. On nous a menti froidement. C'est, on se demande depuis quand que t'es bon recensement fait. Tu vois? Je veux dire, on vive dans une société que l'État paye pas même combien de monde qui vivent sur le territoire. Donc, de manière spéculative, il y a 11 millions, il y a 12 millions. Mais si nous voulons rentrer dans une logique rationnelle, tu vois, Baran était fait. Depuis quand il y a eu un recensement? Donc, je me permets de dire aux autorités qui nous écoutent présentement de cesser de nous mentir froidement. Et si nous voulons bailler population de vrais chiffres, faut passer à cette phase-là, faut faire un recensement, au moins, nous avons une idée de combien de monde vivent sur le territoire. J'en t'ai dit là. Maître Benson, nous ne pouvons pas finir et on dit avec
avec avancé. Mais je dis à Andy, si l'État sont l'État qui a planifié, l'État qui a une vision, son bagage, je pense que c'est facile. Moi-même, je me demande pour qui raison. Bon, ça a créé problème, donc c'est le tombé dans les oreilles du monde. Mais j'ai le courage, je me dis. Très entre nous, M. Benson, l'un prend le cas pour un pays comme les États-Unis d'Amérique. Et il y a un petit monde fait dans l'hôpital, puis après, donc, l'hôpital a été recensé. Parce que je me dis que l'hôpital a été correct pour rentrer dans le système. Toute information relative avec Timoun, maman Timoun, ouais. Papa Timoun nan gen tan an di update sur un système. Li update sur un système. Donc c'est pour montrer que l'État lui-même li ta capable résoudre problème ça. Donc il est vrai que nous-mêmes nous gagnons et officier état civil yo, certes. Ouais. Mais pour qui ça que chaque l'hôpital public pa ta ka gagne un annexe. Yon annexe qui là comme si pour prendre première information yo et puis pour pouvoir aller. Donc m'ta dit non semaine deux semaines non jour deux jours ti moun ali même li gitan joine an di acte de naissance li. Donc c'est pour montrer que comme si problème n'a pas problème comme si qui assez complexe mais son problème m'ta dit que au même yo vle quitter de manière systémique yo quitter ouais. Systémique parce que m'ta dit que gain pour monde li très bénéfique okay. Parce que les gain des pour monde qui est très bénéfique là yo pa pa le comme si pour changer. Donc et bien c'est ça qui vient gain une série de blocages sur une série de bagailles qui a fait dans société là. C'est ça qui vient servir une série de blocages donc dans façon nous ouais que nous gain une société comme si qui dépravée. Et nous avons cité tout à l'heure là on dit et indice que qui gagne yo donc qui pour ainsi dire qui montrer que pays et chaque pays on dit dans classement annuel là a fait avancer yo a progressé pour Haïti m'a dit que et indice social là c'est zéro. On pas même besoin de parler de indice économique là. Ouais, donc, ouais. Et comme c'est pas le cas pour aujourd'hui donc nous pas gagne une émission qui gagne aspect ça. Parce que on dit économiquement parlant nous gagnons assiette nous gagnons cuir chaque jour pour nous porter by communauté internationale là. Mais même m'a demandé est-ce que jusque là encore maître Benson nous sommes fiers de cette situation ou du moins de la situation actuelle du pays. Est-ce que Andy et nan moun qui passé nan pays a nan 5 dernières années qui passé là yo nan 10 dernières années qui passé là yo est-ce que véritablement Jean-Marc Benson lui-même s'il se dit donc les nous même en tant que haïtien nous représenter Haïti c'est zéro face à avec Andy jugement que Andy l'autre nation yo l'autre pays yo fait de nous. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas jamais montré la sensibilité d'être haïtien. Nous n'avons pas jamais montré que nous-mêmes nous éveillons notre conscience nous ouais. Pour nous paraître véritablement ouais. Donc, en, tant que ouais. Monde. En tant que monde. Je me demande, est-ce que le monde qui passait dans 5 et 10 dernières années, est-ce que si nous sentons que nous à l'aise dans la conscience yo, maître, si vous comprenez bien, c'est comme si il y a en fait une absence de la bonne manière à socialiser l'espèce haïtienne, à bien socialiser l'homme haïtien. Et bah, c'est ça, même qui mène nous de là où nous sommes, et façon pour nous d'éduquer moun yo, façon pour nous socialiser yo, pour nous rendre moun, ça n'a pas fait. En transcendant l'esprit pour nous rester pour nous retenir dans vivre débat ouais. et pour, alors c'est pas pour nous retenir dans vivre débat je devais dire mais pour nous pas tourner encore parce que moi j'ai une tendance comme si pour tourner dans même famille avec l'école là donc de temps en temps n'a pas que Andy et dialogue nous en lui même la prend un autre niveau parce que ouais ça dit là donc la socialisation je pense que il y a des institutions même qui la pour ça ouais pas même mal dans l'église mais André était aujourd'hui à 13 entre nous, maître Benson, dans ouais. L'école et dans la famille. Bon, bah c'est là encore, où finit par
aborder deux grands agents de socialisation, la famille comme étant un agent de socialisation, l'école donc un deuxième agent de socialisation, et si seulement deux grands agents de socialisation n'ont pas au rendez-vous, d'accord, donc c'est un fait normal pour finir par assister à ces genres de scénarios. Et c'est ça que on vive là dans la société haïtienne, non? C'est parce que justement la famille en tant qu'agent de socialisation, elle n'est pas au rendez-vous d'une part, et d'autre part nous pral fini par gagner l'école, tu vois, en tant qu'agent de socialisation qui a, je ne vais pas le dire en fait, qui a failli à sa mission. Bon, c'est mais par contre, l'école, pour ne pas trop radical. C'est quasiment. Mais je dis à la guerre des études qui finit par montrer presque à travers le monde cette crise-là, en ce sens, la famille en soi qui n'est pas au rendez-vous, si il y a un agent de socialisation, au moins, qui a essayé de garder qui ça le café en termes de travail, ce n'est autre que l'État. Pas l'État. Ce serait une bêtise. C'est l'éducation. Mais problème qui gagne la caille nous, hein, c'est parce que nous gagnons une forme, l'école, moi-même en tant que professionnel de l'éducation, vous aussi, nous finissons par constater que mon travail qui était supposé fait n'est pas fait. J'ai parlé à une autorité. Bon, c'est quelqu'un qui a eu la chance de passer dans bien des boîtes, tu vois, à travers le pays, soit au palais national, tu vois, il fut un temps comme étant ancien ministre, tu vois. Donc, l'idée fait me confidence ça, il dit, ah, vous savez, M. Benson, honnêtement, d'ailleurs, il gagne l'école tout, honnêtement, il gagne un petit moins qui, au Canada, vous savez, l'aile rentrée l'école là, il y a un mail qui vient de joindre. Et si seulement quelque chose s'est passé sur la cour de récréation, automatiquement, on va lui envoyer quelque chose. D'accord? Et par rapport à ce qu'on pourrait appeler techniquement, en termes de l'aménagement de la salle de classe, donc, c'est très limité. Il n'y a pas même arrivé dans 25 élèves. D'accord? Donc, les que gagnent un objectif, il n'y a pas forme seulement pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, mais il y a forme demain pour prendre, tu vois, la relève. Parce que son citoyen du monde qu'il a formé, c'est quelqu'un demain qui doit prendre, tu vois, le pouvoir, qui doit demain arriver au plus haut niveau de l'administration publique. Faut gagner un sentiment d'appartenance de là où vous êtes, tu vois, en tant que citoyen de tel pays. Faut gagner aussi, faut développer la caille autour, un amour. Pas tant que j'en vois de monde féli dans le pays, nous, on prend Haïti comme étant une terre de transit. T'as souhaité pas gagner un amour vraiment vraisemblablement pour le pays. C'est ça qu'il faut ouais toujours dire. Ça pas intéressé yo si je dis à monde pas qu'à circuler librement. Ça pas intéressé au 21e siècle si gagne de monde qui pas même qu'à écrire nom yo et prénom yo. Ça pas veut dire rien pour yo non plus si je dis à un monde qui par contre lit pas qu'on écrit et que son acte de naissance ça nourrit les baptistères. Baptistère lit écrit en français. Pour comprendre bien, mais ça veut dire du point de vue culturel, du point de vue de notre identité en tant que groupe ethnique, en tant que peuple. Votre acte de naissance, parce qu'on l'a, moi, on est lié en français, en créole, mais l'aime garder dans acte de naissance, moi, c'est notre metteur en onde. Acte de naissance, pas là, les en créole aussi, j'y crois pas.
J'y crois pas. Parce que pareil, personne ne capte de nous là. Ou elle dit nous, bon, ça, l'État te bah, on soin. Parce que maman, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Et que acte de naissance, ni pour le rédiger seulement en français. Pour montrer aux dimensions, problème que la société haïtienne a traversé en termes de documents, l'on ça, qui ça, ça t'a qu'à vle dit, tu vois. Mais par contre, de monde qui a mené bas pays ça, ça pas vle dit rien. Hein, donc, nous t'a remé que moun sa yo prend un minimum, un peu de conscience, frété un peu, tu vois, conscience moun sa yo, au moins pour garder ça. Ça, c'est ça. Au moins, c'est le bagaille qui t'a supposé qu'à corriger. Ça va me dire rien, tu vois. Ça va me dire rien. Donc, c'est même si bagaille ça y est tout qui pourrait mener nous tout de là où nous sommes. C'est un jour peut-être, on va y penser. C'est déjà préparé. On va y penser pour le jour. L'on va regarder qui ça, ça veut dire si. Dans la mentalité haïtienne. Écoutez, d'accord, écoutez, Maître Benson. Je vais faire tout un gymnastique ensemble avec l'auditoire là pour essayer de comprendre et ça que nous-mêmes n'avons pas essayé de parler là. L'arrivée dans l'école là. Je vais montrer après-midi à la responsabilité de nos dirigeants, nos responsables d'école, nos directeurs. Directrice, nos professeurs, etc. Moi-même, parce que dans le cursus qui est dans l'école, il faut que tu aies, je dirais, il y a un petit mec qui peut passer là-dedans. Donc j'ai été, et comme tu le sais bien, Maître Benson, responsable d'école à la CAE. Je me suis gagné un jour. Moins levé et puis moins identifié un problème qui via un manque de gestion de Fadra et puis me dit ouais problème ça bon moi-même à ce stade Maître Benson donc nous fait si nous venons travailler ouais nous fait en fait on joue l'école le venir travailler et nous t'es même demandé avec gardien pour qu'elle même quitte milieu comme ça parce que fuck élève au même il y a gardé qui j'en propriété les mêmes libelles ouais. Tout autant que yo même yo yo pas joine on dit yo sens yo pas de sensibilité je dirais donc pour milieu il y a toujours gardé milieu a comme un milieu comme si comme de rien n'était mais c'est laissé au même qui chita véritablement pendant que au même yo fin chita yo sali ouais. Yo connaît yo et l'école en soi les mêmes li pas fait donc pour milieu côté que milieu éducatif là lui-même n'est pas fait pour côté comme si qui est propre qui sale donc le ça le au fin fait propreté à regarder au dit donc regarde ouais c'est belle bagaille propreté et me pensais que dans pile dans nous donc si nous monte taxi nous fait Benito Sylvain nous ouais le nous rivé sous pont Saint-Louis par exemple voyez nous en bas point ou même qui était plus près Maître Benson donc l'arrivé pont Saint-Louis voyez nous en bas point voyez nous en bas point et salubrité ça yo toute fatra ça yo pas le pied devant aller dans la mer. Nous pouvons gagner ça que moi-même d'arrêter donc toute une pollution de milieu écologique là. Là, son éducation vous liez, Maître Benson. Je crois que oui. Même gestion de Fatra, c'est une éducation première que lui-même est supposé. Le ça sous pas gagner la caille, faut que l'école kabaoule. Donc l'aime dit la caille sous pas gagner dans famille, faut que l'école la kabaoule. Et n'en déplaise à personne, les parents qui a coûté nous, c'est ça qui fait que je vous dis, on a dit prendre responsabilité nous. Parfois l'école là qu'on a codé tout,
nous-mêmes n'a décodé. Mais comment faut lever mettre Benson ou joindre l'école qui accompagne petit tout donc quoi que m'a dit ou pas qu'on lit l'antimalisme, pas qu'on ait l'autre livre qui gagne encore yo. Et puis l'école là bien on dit a pas accompagné petit tout a montré le qui gens que pour lui-même il fait gestion fadra. Et puis le rive la caille là il pas gagne un accompagnement que et famille là maman papa capable bali pour continuité l'école là continuité l'école là capable fait véritablement là encore suivant une vision macro faut nous finir par engager l'état ouais, c'est ça il faut engager l'état donc il est maintenant 5h08 nous allons observer une pause musicale nous y reviendrons par après. En fait, camarade m'a fini, je vais chanter, je vais plaisir, en fait, nous aimer Haïti. En fait, nous aimer Haïti. L'île pour nous aimer Haïti. Mon fleuve, nous aimer Haïti. Le sport, la musique, la culture, les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kaseka sur les cadres. C'est moi Tony Mix qui dit ça. Depuis où elle fait service dans moto, c'est pas l'huile, rally ou acheter, coffee, café. Ou besoin acheter ton l'huile qui bon pour moto. En l'huile qui pas pour casser mon ta moto. Ou besoin moto léger, bien marché. Non, ça fait moto, pas guillot, non. Qui met moto en santé. Qui fait moto bien. Tout chauffeur moto connaît. L'huile rallye faite aux États-Unis. Li faite spécialement pour moto. Li lubrifié clutch et transmission moto. Puis bon l'huile qui fait pour moto, li rallye. L'on mettez la moto, c'est vous. Tony Mix. Après la sortie triomphante de son tout dernier album, intitulé Panda. Il a enfin pensé à sa ville natale. Port-de-Paix, c'est là que toute baguette a commencé. Premier objectif à atteindre, c'est là, n'a tout n'est venu fêter ça. Pour nous, qui n'a fait 100 000 mots. Claire, 100 000 mots pour 100 000 mounes, ça pas assez pour quoi m'y est mot. Nous portons pour yo, samedi 20 avril 2024. It's gonna be hot! N'a pas tant 100 000 mounes, viens célébrer victoire ça. Nous pral. Nouveau coupé douette tablette qui gagne goût pour l'ensemble avec épices naturelles que vous mettez dans manger la taille. Poho, l'ail, persil et piment douce, tout dans une même tablette coupé douette. Et puis tout, il y a une quantité de sel ou remé. Pas de menti dans ça. Mes tablettes nous tapent en coupé douette. Goût pour la épice nous remé. Le sport, la musique, la culture, les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kaseka sur les cadres. Nous besoin l'amour, y'a pas nous malheur. Nous besoin la paix, y'a pas nous la guerre. Nous besoin travail, y'a plein nous demander. Nous besoin avancer. De retour après la pause, merci et de votre fidélité, vous qui choisissez la radio Toxic FM. Vous êtes à l'heure de l'émission Le Grand Univers, qui pourra gagner pour passer souvent de radio ça, chaque dimanche, de 4h jusqu'à 6h,
Bien amis pour Steven Oscar, moi là, accompagné de Maître Benson, pour nous porter pour tout le premier sorti ça. Donc nous saluons encore tous les amis qui ont même écouté nous à travers internet là. L'un prend le cas de Destin Jaroni, Liline Marcelin et Vince Albert. Donc tout le monde ça eux même qui et connectez nous à travers Facebook là, mais aussi et surtout donc n'a point le soin pour que nous même nous saluer madame nous Maître Benson, Marie Vanessa Duvel Saint Oscar qui a écouté nous a regardé nous aussi au Ohio dans le pays les États-Unis, nous saluer Victoria Oscar. Madame moi dit que et petite là ouais, ni content Maître Benson. Bon, en bref, donc c'est ça. Et nous tournons Maître Benson pour que nous-mêmes nous continuions. Petit bas de bouche. Que nous-mêmes nous avons gagné de là étant sous question donc famille. Ouais. Et donc la responsabilité même des familles, de la famille, et je dirais. Donc que chaque acteur. Chaque monde dans la société a pas responsabilité. Parce que, et je pense que M. Benson, crise haïtienne que nous-mêmes avons gardé là, nous pouvons pas entrer là-dedans, dans tout aspect et que ça m'a dit. Ouais. Nous pouvons et Andy et Vlé et entamer une série de débats, d'analyses, donc sous le lit. Mais je pense que nous pas capable aujourd'hui pour que nous même nous pas dit que l'État, si c'est l'État qui est responsable, donc nous même nous ne doit pas arriver là. Si c'est l'État qui sont l'État qui est planifié à venir jeune, nous ne doit pas arriver là. Parce que délinquance juvénile là, donc en tant que sociologue, Maître Benson, je pense que bien des études qui fait sous lit très longtemps et société qui plus avancée par rapport avec nous même yo y a cherché pour garder qui mécanisme yo capable utiliser pour porter une solution face à fléau ça, parce que y a des délinquants par été comme ça au grand matin de l'éternité béni les tinna wel délinquants, mais c'est tout un processus. Ah ben oui, quelque part faut-il bien que l'État lui-même est capable de freiner ou bien stopper et porter un remède, Jean-Maître Benson remédie. Donc face à ça, et c'est pas comme ça que lui-même il va le rester, problème n'va pas l'éradiquer. Donc on pensait que l'État lui-même il gagne responsabilité à part entière lui pour porter une solution à ça, Maître Benson. Là nous finis par traverser, tu vois, et à joindre un autre agent de socialisation, bien que au pas voulu dire, Maître Oscar, bah, en fait c'est un fait, et comme vient de mentionner mon ami Albert, je vous salue encore. Bon, bah, c'est Albert a envie de participer avec nous à l'émission Le Grand Univers. Il finit par fait me comprendre que si Jodia a quitté Haïti, il a vécu dans un autre pays, c'est par rapport à mode de traitement que l'État paye nous bayo en tant que jeune. Il était vraisemblablement, bon, je sais l'histoire, en fait, nous étions ensemble à l'université, bon, en fait, c'est bien malheureux, c'est douloureux tout de même, et c'est par rapport à absence d'un État visionnaire, Jean que Maître Oscar finit par soulever, hein, camarade Albert, et nous y sommes arrivés. De là que nous y est, je vous dis, à la société haïtienne, non, dans son ensemble. Donc, les que ou yon l'État qui pas fait ça, doit faire. Là encore, vos amis disent tout, bon, on a supposé descendre un peu plus bas, bon, en fait, ça se comprend. L'État, en tant que personne morale,
d'accord, en tant que personne morale. Mais là, nous finissons par déplacer, de préférence, notre curseur sur ensemble d'individus ou monde qui occupait boîte l'État. C'est-à-dire un ministre, un directeur général, un fait, c'est qui d'autre là? Un directeur départemental, soit agriculture, comme monsieur agronome Charité lui, un directeur départemental de l'éducation, tu vois, et ce sont des personnes physiques de l'État, un ministre. Bon, présentement en éducation, c'est monsieur Maniga, tu vois. Donc, si je dis à. On n'a pas le des si je dis à. Si je dis à nous, ouais, système, non, bien que ça, c'est un tout, d'accord, c'est un tout. Mais c'est lui-même qui a baillé le ton en tant que ministre de l'éducation, d'accord, en tant que ministre de l'éducation. Et c'est quelqu'un, je crois, qui était venu avec ce programme, à savoir le nouveau secondaire. Si nous ouais, programme non, s'il marchait bien, et je crois que c'est par rapport à ses travaux et son équipe, d'accord. Et si toutefois nous ouais, ce programme n'est pas au rendez-vous, et je crois que il a fallu qu'on accuse ce ministre, y compris, tu vois, son équipe. D'accord. Et je pense là, camarade, je fais me comprendre. En fait, je ne voudrais pas protéger, tout comme je ne voudrais pas lancer non plus des coups de pioche sur ces gens de personnes. D'accord, parce que ces bagailles-là sont tout liés. Les que ministre de l'éducation n'a pas fait ça que Degen pour le faire. Et bon, présentement, Haïti, vous savez, notre pays est en train de traverser un moment difficile. Tu vois? On dirait, moi, je vais trembler, mais Benson, nous ne parlons pas. D'accord. Ok, bon, savez, un éclaircissement pour l'auditoire là. Très entre nous, Maître Benson. Parce que je dis, faut parler, M. Benson. Vous avez fait un mando, est-ce que vous avez tremblé? Non, mais Zamim n'a côté lié, capteur de Mnon. Il n'est pas en Haïti. Oui, ouais, je sais. Blague. Il n'est pas en Haïti. Mais côté que la vive là, mon président. C'est ça. Et l'instant, il y a eu aussi un vice-président. Jodia Haïti pas gain président, tu vois. Nous pas gain un premier ministre. Donc finalement, on se demande est-ce que vraisemblablement nous constituer, tu vois, un état. Ouais, au sens strict même du terme en question. Tu vois, par rapport à ça que n'a vive là, ça que la société haïtienne y a traversé en tant que peuple dans son histoire, tu vois, vraiment épouvantable. Même de manière structurelle, nous pas qu'à dire que nous avons l'État. Et d'ailleurs, même que le pas structurel, et par rapport avec la crise, n'a pas eu là, pas de gagner l'État. Parce que l'État sont l'État responsable. Je suis clair sur ça, M. Benson. Je ne sais pas si vous-même personnellement, donc, ou même tout, ou essayez de partager position. Je suis clair sur ça. Donc, parler de l'État, donc, c'est devait être un État donc irresponsable, ouais. Pur et simplement. Donc, dès qu'il s'agit de irresponsabilité, je pense que c'est pas le chaos. C'est pas le chaos, chant que nous-mêmes n'avons gardé. Parce que je dis à la situation elle-même est très chaotique. Moi-même, tout à l'heure, je m'abris et l'autre a dit ça. Parce que moi, que li est très important pour que nous-mêmes nous présentions à ensemble de monde qui sont auditeurs Radio Toxique. Des faits qui plus saillants dans la rupture que nous-mêmes avons envisagé là. Des faits qui plus saillants dans le problème que nous-mêmes nous gagnons là actuellement. On se demande, Maître Benson, pour quelle raison on est yoré le ministre de l'Éducation. Or, à chaque début d'année scolaire, pas même que ça me d'arrêter yon campagne. Vraisemblablement, même ouais, tout l'autre pays ensemble. Et l'autre pays a fait. Ouais. Pas même que ça me d'arrêter yon campagne scolaire. Yon campagne scolaire, côté qui m'a dit, qui pour gagner ça me d'arrêter un aspect structurel, comme si pour nous planifier début année scolaire. C'est des bagailles comme si qui fait vaille.
et bien entendu donc et on dit nèg ak femme qui dans opposition toujours frété nèg ak femme toujours et qui dans opposition toujours et bat chaque début de d'année scolaire pour que eux même stopper l'école. On dit à me comprendre jodi a c'est l'école là qui problème. On dit à me comprendre que c'est ti moun yo qui problème. Donc parce que si que c'est ton l'état ou du moins moun qui c'est des moun qui dans opposition hein, qui c'est des moun comme Simdado qui ouais que handicap là pas ka battre comme ça voici voilà mais qui façon pour que lui même il batte. Mais pour le battre faut le battre en bonne et due forme. On pensait que lui-même est capable de battre dans une table ronde. Côté que pour que nous-mêmes nous vider les contentieux. Côté que pour que nous-mêmes nous parler, nous dire voici, voilà, donc mais qui vous pour nous faire ensemble. C'est un cas peut-être, je dirais, Maître Benson, donc premier sens de responsabilité chaque monde qui a on dit, entreprendre un bagage dans la société. Qui c'est un monde à part entière, donc dans le maillon qui constitue la société. Ouais. Là, permettez-moi de retourner avec notre auditoire, tu vois, dans le passé. Vous savez, aussi longtemps que vous n'avez pas gagné un système éducatif qui est prêt pour partager avec les élèves, les apprenants, donc l'État dans son ensemble, qui n'est pas prêt pour vendre à la société. Ou encore, si vous préférez, à la nation, ce grand projet pour montrer que la gloire en soi, elle est collective et surtout pas individuelle. C'est un fait normal pour faire face à genre de situation, ça y est, en dans n'importe quelle autre société. D'accord? La gloire en soi, elle n'est pas individuelle. Ben, avant tout, elle est collective. C'est-à-dire, si ou même met au score ou réussit, frère ou soeur ou famille ou réussit, donc là, c'est insuffisant en termes de réussite. Et que, les que ou réussit, la famille gentille, la famille Albert, la famille Jean, la famille Joseph, tu vois. Et c'est comme si, suivant une vision globale, l'ensemble des familles ont fini par réussir. Et là, ça, nous allons finir par sortir avec une gloire. Or, tel n'est pas le cas présentement. Et c'est écoutez, pourquoi... Benson, hein? Écoutez quelques secondes. La gloire pour nos frères haïtiens. Les sont bagailles comme si individuel. Eh ben mais c'est ça que individuel au point que comme si nous-mêmes nous pas gagné et culture vivre ensemble. Ah, ben oui. Nous possédons Anzi donc tout est une diversité bien entendu. Et même diversité ouais m'a parlé à l'école tout. Papa c'est pas l'école. Moi ils ont bagaille. Moi ils ont bagaille Maître Benson. L'école l'a préparé nous pour négoïste. En quelque sorte. Moi même avec au compte milieu là bon peut-être parents yo quand même yo pas dans milieu scolaire là donc nous même nous capable dire ça l'école là pas l'école moi que nous même n'a fait en Haïti à li former team pour égoïste. Là on n'a pas besoin de faire appel à des lunettes pour faire ce constat, chose est claire. Eh ben parce c'est que ça. pas gain culture. Eh ben là de travail ensemble aussi longtemps que nous inscrit nous dans une démarche, chacun pour soi et pour son clan, c'est un fait normal pour nous assister à genre de phénomène ça y est dans la société, et genre de dérive ça y est dans la société. D'où la nécessité de toucher la conscience, donc de l'espèce haïtienne. D'accord, de l'espèce haïtienne. Je ne sais pas vraisemblablement s'il y a d'autres autorités qui nous écoutent, parce que c'est le monde qui gagne pour prendre quoi, les grandes décisions, tu vois, pour la nation dans son ensemble. Donc, rentrer dans une démarche du chacun pour soi et pour son clan. Donc, c'est où même
qui a moyen pour vous petit tout à faire études à l'extérieur ou toujours prêt pour chercher un milieu de référence tout en écartant le milieu d'appartenance, tu vois. Pourquoi? Parce que tout simplement, ouais, que ça gagne là en termes d'établissement scolaire, ça gagne là en termes d'université, ça gagne là en termes d'infrastructure, tu vois. Yo pas répondre étant donné qu'on a un moyen obligé de traverser ou ailleurs. Et de là où vous habitez et que petit voisin il était supposé aller s'asseoir sur les bancs de l'école et que ce dernier ou cette dernière, elle reste encore à la maison. Et comme c'est pour vous, ça, ce n'est rien. Or, cet enfant lui-même, il a le même cerveau que petit toi, on ne sait même pas. C'est peut-être un enfant des étoiles qui t'a capable même beaucoup plus intelligent que petit toi, mais étant donné que le papi petit tout, ça va vous dire, ah, vous comprenez? Donc, il y a des établissements publics, il y a des universités publiques, en tant que chef d'État, en tant que responsable, ou rendre compte que l'établissement ça n'a pas marché normalement, vous dites, bon, je ne devrais pas envoyer mon enfant, tu vois, à cet établissement scolaire, assurément, il ou elle ne va pas recevoir une éducation digne de son nom. Donc, j'ai d'ailleurs suffisamment de moyens. Je ne vais pas citer les écoles, mais par contre, je vais le voir dans l'école. Ça. Donc, cette école est faite pour petites soyez. Donc, si vous n'êtes pas bien éduqué, il n'est pas recevoir une bonne formation. Regardez ce qui s'est passé au niveau notamment de la capitale. Donc, même si nous sommes ici à Port-de-Paix, mais vous savez, nous sommes à l'émission Le Grand Univers. Donc, ici, nous voulons embrasser non seulement de là où nous sommes ici par rapport aux différentes réalités sociaux, économiques, politiques, culturelles. Mais aussi et surtout les réalités d'ailleurs. Ben oui, en fait, d'ailleurs, donc, toute bagaille ça. Vous savez, Platon disait ceci, je crois que c'est dans la République, nous ne pouvons pas vivre ensemble si seulement nous n'avons pas un minimum d'amour les uns pour les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, cette forme de conscience, autorité qui a dirigé le pays, ça, il y a besoin de prendre cette forme de conscience. Parce que nous regardons en pile là, d'ailleurs, on ne peut pas prendre Haïti vraiment comme étant territoire pareil. Et même messieurs, bon, on ensemble de jeunes, nous les bon petit gangio, permettez-moi gangio. Bon, c'est le monde qui se laisse manipuler en pile fois, pas d'autres, tu vois. Mais c'est le monde qui perdu le sens de l'être. Vous savez, Maître Oscar, quand quelqu'un, quand l'individu en soi, la personne a perdu le sens de l'être, tout peut arriver. Tu vois, tout peut arriver. Jodia ou Port-de-Paix, ou besoin d'aller dans une autre ville, c'est pas aussi facile, tu vois. Perdu le sens de l'être, t'as qu'à vous dire tout ça autour. L'orgueillé en tant que responsable d'école, on fait promotion pour une école et que petit ou pas dans l'école ça. Donc, si les autres reçoivent normalement les cours, c'est pas un problème. Si vous paraissez au tout, tant pis pour vous. Tant qu'on prend exemple en lycée quelqu'un. Vous êtes le directeur, monsieur Oscar, comme le directeur d'un lycée. Bah, qu'on est sur n'importe quel espace au niveau du territoire et qu'on a un petit tout qui est en secondaire, qui est en septième, en huitième, et que vous décidez, choisir un autre établissement scolaire pour la recevoir une formation académique, et que vous-même, en tant que directeur de ce lycée en question, vous faites mon coin que bagaille va marcher là, et petit ou pas là-dedans. Peut-être que si petit ou t'es là-dedans, pas accepter. Là, c'est au plus haut niveau. On prend le cas d'un ministre.
on salle de classe pas supposé gagner 50 100 élèves t'as donné petit tout par là-dedans ou et l'on côté gagner 20 25 élèves bon tant pis mais qu'il y a il faut mais il faut ces problèmes ça lui même les quelque part de prise de responsabilité de l'État un peu de conscience en clair sous Sodia Ahmed Benson parce que et nous-mêmes nous croyons que nous-mêmes jusque là encore l'État lui-même il gagne espace que lui-même il peut exploiter et pour ta faire des centres d'accueil bon ça me d'arrêter des écoles des écoles et bien entendu et l'État pas planifié éducation je dis le Benson je dis le m'te cité même yon campagne scolaire pas jamais gagné parce que à chaque début de année scolaire pour planifier pour dire OK voici parce que l'éducation même maître Benson même j'aime te dit et je cite le bon sens permet de connaître Dieu par la création. Prends boule. Ouais. Parce que l'on est levé là et puis il regarde, il est ciel là. L'on est levé là, il regarde l'eau en mer qui est en mouvement, qui est maré. L'on est levé là, il regarde au monde qui a respiré. L'on est levé là, il regarde nature là. Faut le voir que vraisemblablement, même si pas gagne un élément qui consubstantiel, un élément qui montrait dit et un élément comme si m'tadou qui c'est matière qui pour ainsi dire montrer bon Dieu mais faut qu'on ait que clairement gagne un monde qui fait ça c'est même gens moi même devrais dire que éducation dans un pays côté que nous mêmes nous avons gardé presque chaque jour n'a pas compté sous n'a nous pas même compté sous droite pour n'a parler de taux d'analphabétisme et ben nous comprendre nécessité jodia si pour nous font l'école fond font l'école senti bon si pour nous faire yon l'école fond font l'école éclairée et parce que chaque acteur que relé dans système là qui vini pour vinn travail on pensait que l'éclectisme devait régner dans l'âme de ces acteurs faut éclairer maître Benson parce que me senti que c'est des monde peut-être qui manquait à sens de devoir y aurait l'homme pas comme qui ça ou pas comme qui sont venir faire ouais c'est ça l'aime dit sens de devoir donc qui sont venir faire pour qui ça y aurait l'eau qui sont doué mais maître Benson ou là ou pas capable plutôt pas là ouais. Non mais là, oui. C'est pas dire mieux vaut être là que m'évader. C'est pas ça. On pas dans théorie ça. Mais c'est là véritablement ou là ou utile. Ou là vraisemblablement ou vaut quelque chose. Ou vaut d'être là. Ouais. Parce que moi me senti que le mécanisme développement yo et pas qu'on gagne un monde vraiment qui a mis speed sur yo. Pas qu'on ait monde vraisemblablement qui a essayé garder. Donc voici voilà. Donc nous identifier tel problème. Mais qui réponse que nous-mêmes nous gagnons face à un problème ça. Voici voilà. Donc apport de paix, nous identifier gagnons un problème d'ordre éducatif. Voici voilà.
Et de retour, et nous excusez-nous auprès de l'auditoire radio Toxic FM, tu as une coupure d'énergie. Merci avec Metteur en ordre nous qui au même temps en fait toutes des manœuvres pour que nous mêmes nous tirer pour antenne. Je pensais que le public là lui-même lui parlait, donc le public noir, Maître Benson, il a toujours été là. Ouais, vous gagnez frère Rockenley. Je vous salue, mon cher ami, Vince Albert, Wilbert, Jean-François. Il y a Madame Liline Marcelin. On vous salue. Merci de votre écoute. En fait, comme Maître Oscar a fini par annoncer, il y a eu en fait cette coupure. Parce que nous sommes de retour pour la plus belle. Voilà. Et Maître Benson, donc nous avons une information de première main qui joint nous là. Pendant qu'on a parlé là, donc gagné individu mal intentionné, donc qui envahit enceinte faculté médecine et de pharmacie à Port-au-Prince. Tu vois, c'est un problème d'éducation quelque part. Là, c'est là que vous gagnez des hommes et des femmes qui contentait tout simplement les rentrer dans l'administration publique là pour y faire l'argent et puis y oublier ça y gagner en termes de redevance à la nation. Qui est ce monde vous pensez qui à l'auteur de ces genres de choses là? Assurément ce sont des personnes qui n'ont pas été scolarisées. Si je me permets, assurément, c'est de monde du point de vue social, d'accord, qui pas occupé une fonction au sein de la société. Ce sont généralement des hommes et des femmes qui se laissent manipuler par d'autres individus. Voilà. Donc, choc en retour, ça y est, ils ont toujours venu même. Les que vous trouvez dans un état côté que personne physique yo, qui fait partie de l'état n'a pas rempli des voies, n'a pas fait travail yo, et bien tôt ou tard vous avez pour vivre ces genres de scénario. Il n'y a rien de surprenant, je crois, rien de surprenant par rapport à ça que n'a vie aujourd'hui à la absence d'une éducation, manque d'insertion du point de vue social, eh bien, inévitablement, faut accoucher à genre de phénomène ça. Et ceci est valable d'ailleurs pour n'importe quelle société. Et si ouais, ça que nous vivons au sein de la société haïtienne, non, ces genres de scénarios, tu vois, ils sont pas présents dans une société comme la société française, la société américaine, ce peut-être, pas même ce peut-être, c'est parce que tout simplement, vous gagnez des institutions qui au rendez-vous, qui s'y fortent, vous gagnez de monde dans l'État qui prend responsabilité. D'accord? La caïnou, c'est bien le contraire. Fait normal pour nous vivre ça que nous vivons là dans la société haïtienne. D'accord, mais tout ça, quelque chose comme ça. Et c'est ça parce que pas de secret dans fait coup là, Maître Benson, pas de secret dans fait coup là. Donc, à venir à Mounsayo, il n'y a pas de planifié. À venir à Mounsayo, c'est à venir à Moun comme Simdado qui. Bon, je pense que ils ont stigmatisé, vous comprenez, donc ils ont entré dans un paquet et complexe et qui gagne un marque de supériorité, donc pas bon côté l'autre monde qui pas dans la classe. Ouais. Et monde ça eux même qui sentit que eux même ils ont jeté. Ah, ouais.
ouais. Yo pas élément à part entière de société serré dans société sociale. Donc et je me demanderais là encore, c'est de monde penser au moins qui fait appel à un mental de résistant en pile là-dedans yo, parce que ça t'es capable accoucher qui ça tant qu'Émile Durkheim t'a qu'a présenté dans son ouvrage le suicide. C'est bien malheureux où il y a une de monde comme ça qui pas inséré du point de vue social, yo pas même décidé suicider tête yo, mais semblerait que yo fait autrement, peut-être ça capable plus dangereux encore pour bon, nous encore présenter excuse-nous à tous les auditeurs et auditrices de la radio Toxique FM 91.3 et nos amis qui nous écoutent via la magie de la technologie, les internautes, l'ensemble des blogs, les blogueurs qui nous écoutent, nous présenter nous à nouveau excuse-nous. Bon, vous savez de là où nous sommes. Camarade Albert, comme on finit par retracer les appels, bon, où qu'on est, problème pays, nous, 21e siècle, il y a probablement, pas même des mois, des années depuis que la ville, le port des paix en soi, n'est pas électrifié. D'accord. Donc, il n'est pas électrifié. Radio, les stations de radio, les institutions. Voilà, il y a un grand sujet. les binages monyo yo a fonctionné parfois, bon c'est téléphone yo ba nous lampe de poche téléphone yo qui servi comme lumière pour bien des familles, bien des ménages. Bon, dommage la crise en soi, mais tout sera, elle est plurielle, la crise. Oui. Donc, il y a plusieurs aspects là-dedans, Edmondson. Donc, nous avons regardé, je dis à là, aspect côté que famille eux-mêmes, ils ont supposé prendre responsabilité. Donc, pas seulement la famille, mais aussi et surtout l'école là. Donc, que chaque acteur ça eux-mêmes, ils commencent à prendre responsabilité. Parce que, nous avons regardé, Edmondson, moi-même, je pense que si pas grand bagaille qui fait, bien entendu, et l'école haïtienne, l'école qui gagne actuelle là, avec ouais. L'école que nous avons gagné, ouais, nous voulons faire forme comparée, ouais. Fond comparaison, ouais. Mais c'est que l'éclair pour nous, que c'est pas même bagaille, parce que si pas gagné l'école vient gagner absence de institution, ça bon garanti c'est pas une situation malouque. Il y a une situation qui peut aller de mal en pire. Moi-même, clair sur ça. Et je dis à nous, comme Simdadou, et élève qui était gagné dans Saint-Anyo, qui était très productif, je dis à, c'est presque zéro. Nous, à l'heure actuelle, de un changement et dans éducation, nous, un changement qui fait surtout ensemble avec. Le nouveau secondaire. Le même ensemble avec Oulte l'école, Maître Benson, donc nous avons parlé de classe de troisième, de seconde, de retour de philo. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, donc, c'est nouveau secondaire 1, 2, 3 et 4. Le même ensemble avec Oulte l'école, Maître Benson, donc pour qu'on gagne une réforme, ça que nous avons assisté là, nous avons gagné deux papiers. Et nous avons une balise qui vient gagner dans la classe de retour. Et retour ça, c'est ton retour bout de fait que le dire. Mais je dis à n'importe qui se permet et que depuis les gains moyennes, il monte dans la classe nouveau secondaire 4, il passe
et classe nouveau secondaire 4 là notamment examen l'état yo et bien on dit que son monde comme si qui prêt comme si pour lui même y rentrer à apprendre un métier et puis mais me pensais que maître Benson donc qui fait tout tirer ça donc nous pas le fini c'est ouais. Parce que quelque part il y a des failles qui a toujours gagné dans le système là. Tant que nous-mêmes nous gagnons des monde qui prend des éducations côté que éducation cochu dans cerveau yo n'a toujours assisté à faille ça. N'a toujours assisté à situation qui vraiment chaotique je dis à me penser que faut que nous-mêmes nous clair donc il y a des petits monde qui finit classe philosophie ou pas même qu'à conjuguer verbe avoir au conditionnel. Là... moi-même me garder plusieurs vidéos pour me dire clairement maître Benson garde plusieurs vidéos que moi-même ouais sur et Facebook là des Simon qui dit il y a une classe nouveau secondaire 4 qui pas même qu'a conjugué verbe avoir qui c'est un verbe d'auxiliaire on t'a dit à tous les temps c'est dommage pour l'école là. Ouais, clair, on prend seulement verbe avoir. On pas même dit plus. On pas même pas parler de théorème de Pythagore. Mais on pensait tout mettre Benson quelque part. C'est pas là me devait arriver non, réflexion ça. C'est pas lui me voulait faire non, c'est pas lui me voulait apprendre public cap côté nous, public nous. On voulait montrer que c'est à on l'école pour ta chita de repenser. Si nous voulait faire en Haïti. C'est à l'école qui pour craser juste dans zo pour le rebâtir, pour le refaire. Nous vinn comprendre maître Benson et nous voulons que chaque monde après-midi à cap coûter nous là. Haïti ne va nulle part sans une meilleure éducation côté que nous capable offrir à ti moun nou yo, à progéniture nou yo. Et tant que gagne une mauvaise formation tout qui a bail n'a toujours gagné on dit une administration qui crochi des administrations qui boiteuses etc. Des monde comme si qui en manque qui ont carence dans travail que eux même y aurait les pour une faire dans société. Donc on pense que et l'éclair pour nous comprendre véritablement et la famille et l'école yo gagnent je dirais travail à part entière pour que nous même yo fait pour que nous même nous gagnions c'est-à-dire une société qui sont société côté que nous gagnions des jeunes garçons des jeunes et femmes qui a évolué qui a travaillé pour mieux être li pour bonheur et tout et chacun. Ben là mais tout sera bon. J'ai fini par admirer façon que ou déplacer curseur pour finir par responsabiliser les grands acteurs de la société pour prendre responsabilité envers la nation. Vous savez, par rapport à ça que société haïtienne il y a traversé du point de vue éducatif, du point de vue social, familial, c'est parce que tout simplement, comme nous dit déjà, ou gain de monde au plus haut niveau, donc qui faillit à mission yo. Regardez, il y a ce qu'on appelle l'éducation système et l'éducation produit. Parce que je dis, ah, c'est pas amour, ça y est, ça pas amour. Les que ou gagné de moun cap évaluer, tu vois, cap évaluer le travail d'un élève ou d'une élève ou ap sanctionner, tu vois, ou ap sanctionner, tu vois, un travail et que l'élève en soi qui pas obtenir de bonnes notes, ça va chercher en termes d'acquis
chez l'apprenant ou l'apprenante. Objectif en soi qui a été défini préalablement, n'est pas atteindre. Et vous dites non, ou en seconde 3, ou en fin seconde 4, ou en 9e, ou pour le faire seconde 1. Quoi qu'il en soit, ouais, l'objectif n'a pas été atteint et vous faites le passé. Là encore, c'est un autre mal qu'on finit par faire à la nation entière. Et c'est là que nous arrivons, je vous dis, à l'oeuvre tracée que, tu vois, l'élève qui ne peut même pas conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Non seulement on devrait accuser, pas même les parents en quelque sorte, parce que en pile là dans yo pas qu'on lit, yo pas qu'on écrit, mais par contre par rapport à ce que la société en soi elle finit par imposer yo, ses parents ont décidé d'envoyer à l'école les enfants. Maintenant l'école là acteur dans milieu ça t'as supposé faire travail par quoi, yo prend si moun nan qui pas maîtriser les notions élémentaires ou faire le traverser pour aller dans une classe supérieure. Le pire dans tout cela, même ministère de l'éducation faut souvent qu'on rentre dans cette bêtise, tu vois. Ben oui, on parle mon expérience. Regardez les résultats en amont et en aval, regardez bien. Si moun nou jwenn dans seconde 4, seconde 3, j'aurais dû dire seconde 1 de préférence, qui pas maîtriser notion élémentaire et que maintenant qui vient de subir, tu vois, l'élève en question, un examen d'état, et vous pouvez le rencontrer, élève ça en seconde 1, bon, finalement, on dit, bon, ça, c'est pas l'élève en soi qui est responsable, tu vois. Donc, c'est bien le ministère de l'Éducation nationale au plus haut niveau qui ne fait pas son travail, donc en ce sens qui a failli à sa mission. Donc, travail là en soi, c'est un travail qui est pluriel. Et travail là, il m'a dit un peu de conscience aussi. Il est vrai que petit non pas dans le pays à l'école, mais par contre, petit soyez ceux qui et seuls qui n'ont pas ces moyens pour faire appel à un milieu de référence ou choisir l'autre pays pour aller éduquer petit yo, mais au moins un peu d'amour patriotique, d'accord, pour nous sauver pays. Parce que si tout le monde ça recevoir une piète éducation, demain ce sera tu vois au plus haut niveau. Il y aura le ministre, il y aura le sénateur, il y aura le député, tu vois, il y aura le même rivé président, il y aura le délégué de ville, tu vois, il y aura le médecin, c'est eux même qui prend l'infirmière, tu vois bien, c'est eux même qui prend l'avocat, c'est eux même qui prend le juriste, c'est eux même qui prend le sociologue économiste, au cas où est-ce que sa société ça va rentrer qu'il y a. Donc mounio produit yo pas performant, donc produit que le système n'a mettait sur le marché du travail, ce sont des individus ou encore des mounes qui pas performants. Donc c'est normal pour pas le jeune pays d'un pour nous qui parmi l'ensemble des pays du continent, nous c'est pays plus pauvres là, c'est pas sans raison. Mais tout ce cas souhait je dis à nous c'est pays plus pauvres du continent. Et c'est pas sans raison parce que m'te dit tout à l'heure là, il y a des critères et que qui gagnent, nous pas capable faut yo, nous pas capable c'est autre de critères ça yo. Donc c'est pour ça et yo commencé fait si monde qui dans classe 9e yo a étudier IDH bien que m'ta dit yo présenté yo, mais yo pas vraisemblablement m'ta dit rester et dans son ensemble bon pour que eux même yo capable comprendre véritablement. Donc qui ça qui IDH. Donc en vertu de recherche moi même des sorties sous ensemble de détails quoi, même sous partager ensemble avec auditoire là maître Benson. Et dans tout ça que vous même sous t'a dit tout à l'heure là, moi même personnellement moi était cap dit que et expérience moi capable parler. Ouais. C'est ça qui fait que moi m'ba connan et on nan coché à aucun monde. Donc maître Benson capable dit, donc tout le monde qui connaît c'est qu'on s'amie de tempérament. Des responsables l'école et puis de manière administrative, donc ça ne devait pas être ainsi.
et que yo pon ti moun nan klas mwen. Et yon administrateur et pran un ti moun nan klas mwen sans et consentement li pote l'aller l'al fè l'al fè en klas supérieure parce que ti moun nan li même sèt si yon ti moun d'azo et ti te gagné pour ainsi dire de belles moyennes. Même parce que donc tout ça donc li supposé fait de manière administrative. Donc yon ti moun comme si m'dado ki nan klas première année pour li voye l'al fè troisième année non. Et même qu'il t'abord deux belles moyennes 8 ou pas qu'a fait ça Ahmed Benson. Ouais. Bon, donc c'est pour montrer c'est pour montrer comme si m'dado donc ensemble de détails ça aussi des bagages comme si qui a fait et très mal qui a fait très mal dans société a. Parce que vous parlez que ti moun ça lui même il pas grand pile bagage que lui même il pas perdu et comme acquis intellectuel et valeur aussi comme valeur ouais, aussi ouais. Donc c'est pour montrer donc l'autre perspective là donc son bagage comme si qui beaucoup plus clair je veux dire nous comprendre donc nécessité pour que nous mêmes nous gagnions parce que nous avons assisté et à des dérives à des ruptures à des failles véritablement dans la société actuelle là et dans le pays d'Haïti donc son pays qui a la dérive et je pense que prise de responsabilité yo maître Benson. Donc c'est nous-mêmes qui pour parler. 6 heures plein. C'est l'heure pour que nous-mêmes nous plier bagage maître Benson. Ben pensez en termes de debriefing par rapport à situation que pays nous y a traversé. Pensez c'était bien une situation qui était prévisible mais qui n'était pas prévue. Donc c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous au sommaire à la huitaine. Au revoir. Merci à tous et à tous. Merci d'avoir été à l'écoute de la radio Toxique FM, le 91.3 en FM stéréo. C'était pour vous servir, Maître Benson et moi, Maître Steven Oscar. Rendez-vous pour dimanche prochain. Bye bye tout le monde, c'était un plaisir.